Mais il me reste une personne à remercier avant. Véro. Oh non! Ben là, j'ai comme pas le choix, écoute. Tu sais, dans une vie, il y a des personnes qui, à un moment donné, sautent dans le vide et décident de te faire confiance, même quand tu mérites pas cette confiance-là. Et Véro, à un moment particulier de sa vie, de ma vie, de notre vie, a décidé de le faire. Et depuis ce temps-là, on a comme, c'est quoi l'expression que Pierrot a utilisée tantôt? Trouver notre X. Ouais. Après plusieurs essais. Oui, effectivement. Mais tu sais, les vraies relations humaines qui sont importantes dans une vie, on les bâtit quand c'est dur. On les bâtit avec les gens qui restent quand c'est difficile. Et j'ai été difficile avec Véro et la vie a été difficile avec nous deux, mais Véro a toujours décidé de me faire confiance aveuglément et de rester. Et j'ai une dette éternelle et une reconnaissance éternelle envers Véro pour cette raison-là. Merci encore une fois de sauter dans le vide en ma compagnie. Je ne m'y attendais pas. Je suis très heureux et très honoré de ça. On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de montagnes russes ensemble. C'est probablement pas notre dernier rodéo non plus. J'espère que non. Mais pour des gens insécures qui font de la radio, la plus belle marque de reconnaissance qu'on peut avoir, c'est des gens que tu respectes et qui ont confiance, alors que même toi, tu manques de confiance envers toi-même. Puis tu as toujours été cette personne-là, Véro. Donc, merci beaucoup. Je vais te rendre l'appareil parce que moi, quand on a commencé... Oh, ça fait 20 ans que Denis Pimon se connaît. On s'est connus, j'ai fait mon stage ici, on s'est perdu de vue à un certain moment donné. Puis quand ils ont décidé de remettre le bateau à flot, j'étais une fonctionnaire qui, le timing était bon, commençait à s'emmerder viscéralement. Puis de nulle part, Denis est revenu dans ma vie en disant « Serais-tu game d'essayer? » Après une réflexion, puisque tu sais, Denis pour moi, ça a tout le temps été un peu rock'n'roll. Puis Véro faisait pas de radio, fondamentalement. Non, c'était une fonctionnaire de la fonction publique avec une permanence. La seule radio que j'ai fait, c'était ma radio étudiante en sixième année où la radio s'est fait suspendre parce que j'ai fait jouer Cash City de Luc de la Rochelière, puis ça parlait de tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. Puis en sixième année, ça passait pas dans une école primaire, vous comprendrez. Fait que... Ben c'est Jonquière, hein? On n'a pas les bombes qu'on a partout à Jonquière, là, tu comprends, là? J'ai décidé de sauter sans regarder en arrière avec Denis, avec Doom, à ce moment-là aussi, qui a choisi de me faire confiance, puis j'étais green, là, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant des années, je pense que des fois je l'ai encore, mais grâce à ces gars-là, grâce à tous ceux que j'ai côtoyés, puis grâce à Denis, je pense qu'au fil du temps, toi et moi, on trouve le moyen de se rendre meilleur l'un et l'autre. J'espère. Je sais pas, là, je pense que oui. J'espère. Sans ça, on perd beaucoup de temps et d'énergie. Tu vois, j'ai réussi à ne pas pleurer. Bravo, puis, quand même à 2 minutes 22. C'est ta meilleure stretch aujourd'hui, quand même. Rich, encore merci. Puis je veux saluer Jordan, qui nous a quittés pour retourner dans ses vacances dans les dernières minutes. Dans son déménagement, il y a 3 heures de route à faire pour retourner sa rive sud, lui-là. C'est vrai, le pauvre. Ouais, en plus. Et puis, c'est le fun. Ben, je sais pas pourquoi il se plaint. Il n'y a pas de travaux. Merci les amis. Merci. J'ai écrit un petit quelque chose parce que je suis pourri pour parler quand je suis pas préparé. Fait que je me disais que ça allait être relativement difficile. Fait que là on est en Facebook Live. On vous fait bye bye. Puis voyez ça comme une fin d'émission là, comme quand Saturday Night Live finit. Puis tout le monde se prend dans le bras. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans les prochaines minutes au-delà des demandes de la santé publique. Donc c'est la fin. Oui, go abs go pis tout. Joue, moi je colle du monde. Il y a un coach covidé, mais pour le reste, oui, le match est toujours à l'horaire pour 20h. Donc allons-y. Réussir à résumer 24 ans ou 16 ans dans une entreprise est une mission impossible. Par contre, étant donné que nous sommes à la croisée des chemins, un mot peut bien résumer le sentiment qui nous habite présentement. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir fait ça va être dur. Tabarnouche, il y en a long en plus. Veux-tu que j'essaie? Il y a beaucoup de pages, attends. Non, il y a une page, là, mais elle est écrite petite. Non, ça va aller. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir fait une petite place pendant toutes ces années. Si on vous a fait rire un peu, nous sommes honorés. Si on vous a fait réfléchir, c'était peut-être pas voulu, mais on va le prendre quand même. Si on vous a fait pleurer, dites-vous que nous aussi, au fil des détours, nous avons versé quelques larmes. Comme là. «
Merci à tous ceux et celles avec qui nous avons eu le privilège de partager le micro. Tenter de nommer tout le monde serait se condamner à trop en oublier. Vous avez rendu ce long parcours agréable et fascinant. Nous avons beaucoup appris de vous. Merci à tous ceux et celles que nous avons côtoyés, collègues, clients, partenaires et bénévoles. Une armée de passionnés avec qui nous avons partagé une overdose de moments agréables et aussi quelques creux de vagues. Votre support nous a donné du gaz et de la motivation, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Ensemble, on a marché, on a trippé, on a voyagé, on a vu des shows. On a rempli un agora, des autobus, des arénas et des stades, en noir et or avec des stickers, en bleu nation avec de beaux rêves, des fois pour revendiquer, mais plus souvent pour le simple plaisir. Nos bras, non pas meurtris, mais fatigués, vous tendent le flambeau. Passez un bon été. Une belle vie aussi, prenez soin de vous autres, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. Ce n'est pas la fin d'une route, ce sont des chemins qui se séparent. Cheers! Ce sera toujours un plaisir de se recroiser dans cette ville qui est la nôtre et qu'on aime, comme on aime son monde, comme on vous aime, vous autres. Cheers! C'est la fin de Gravel dans le retour. À bientôt. Et c'est la fin. Générique. Confetti. Gravel dans le retour, featuring Dennis Graves, Vero Bergeron, Jen Francis Blaze, Jordan Boyven, with musical guest Pierre Hood, Pierre Couture, Phil Magnan. Thank you all and good night. Live from Quebec City, it was Gravel in the Return. Have a good summer. Have a good night. Thank you. Mouet. All right, we're going to take a 20.